Michael Van Der Sande. Bonjour. C'est comme ça qu'on prononce ? C'est bien ça. Alors, vous êtes le directeur général d'Alpine, marque qui va arriver à être relancée dans très très peu de temps, hein, qui est annoncée depuis un moment. Ouais. Mais avant de commencer, j'ai lu dans votre parcours que vous avez travaillé pas mal de temps chez toutes les grandes marques de luxe, Aston Martin, Rolls-Royce, Bentley. Qu'est-ce que vous en avez retenu que vous adaptez aujourd'hui pour le relancement d'Alpine ? La chose la plus importante sur un segment de passionnés de haut de gamme, si vous voulez, c'est qu'il faut d'abord être bon avant de dire qu'on est bon. C'est pour ça qu'on a pris son temps pour le développement de la nouvelle Alpine. On veut s'assurer que la voiture soit au niveau que nous, on exige et que les clients exigent. Et c'est ça qui fait fonctionner. Il faut délivrer la promesse, quoi. Exactement. Et il ne faut pas uniquement promettre, il faut aussi délivrer. Et c'est ça notre focus absolu pour 2016-2017. Dans le contexte de la nouvelle Alpine, on a presque terminé le développement, on est en plein testing aujourd'hui, et notre enjeu principal et notre objectif principal, c'est de courant 2017, de livrer et délivrer une voiture exceptionnelle en qualité et en prestation. Alors justement, vous avez travaillé pour des marques de luxe, on a tous conscience qu'Alpine va être une voiture de sport, mais par rapport au marketing, est-ce que vous diriez que ça va être une voiture de luxe ou une voiture premium, pour que les gens comprennent ? Bon, la raison d'être d'Alpine, c'est plutôt une voiture de sport. C'est la première caractéristique de la marque. Après, les définitions de premium, de luxe, c'est un peu difficile. Si le luxe signifie qu'il y a une espèce d'excès dans, dans sa conception, ça, c'est pas du tout Alpine. Parce que Alpine, c'est quand même des voitures compactes, très efficientes, très efficaces, et on n'a pas besoin d'excès. Alors, est-ce que Alpine sera une voiture de luxe ? Non. Premium, c'est autre chose, parce qu'on a décidé de mettre beaucoup de technologies dans la nouvelle Alpine, et ça apporte son coût et son prix. Et ça veut dire que si on dit que premium, c'est quand même un prix plus élevé qu'un marché de généralistes comme Renault, bon, peut-être que notre voiture, ce sera sport premium. Mais je vous confirme qu'elle sera d'abord une voiture de sport avec un côté premium dans sa finition et dans son prix. D'accord. Alors, vous parlez très souvent de l'ADN d'Alpine, dites qu'il faut y être fidèle. Est-ce que tout simplement, pour le grand public, pour ceux qui nous regardent, vous pouvez rappeler cet ADN et nous le développer, nous l'expliquer ? Quand Jean Redelet a fondé Alpine, quand Jean Redelet a créé la marque en 1955, il voulait faire de la course. Et pour faire de la course, il fallait une voiture et il a décidé de créer sa propre voiture sur base de la technologie Renault. Et il a créé des voitures qui étaient faites pour la course, qui étaient extrêmement agiles, compactes, légères et extrêmement... qui faisaient du plaisir de conduire, surtout sur les petites routes sinueuses dans les Alpes, etc. C'est de là que vient l'appellation Alpine, parce qu'il s'est dit, je vais appeler ma boîte Alpine parce que j'aime m'amuser avec des voitures dans les routes, dans les Alpes. Voilà. Je savais pas, exactement. Alors, franchement, c'était extrêmement pointu, extrêmement clair. Ça fonctionnait très très bien. Bon, dans le temps, ça s'est dû un peu, malheureusement, on a arrêté la commercialisation des Alpines en 1995. Par contre, maintenant, ce qu'on a voulu faire, c'est de reprendre l'ADN d'origine de cette agilité liée à la course, mais aussi pour la route, de faire des voitures compactes, légère, extrêmement agile, qui donne le maximum de plaisir de conduite. C'est vraiment ça la raison d'être d'Alpine, et c'est ça qu'on a essayé d'injecter dans la nouvelle Alpine qui va être commercialisée en 2017. Mais alors, comment ça se traduit au 21e siècle, à l'heure des radars, à l'heure de la pollution, à l'heure de toutes ces choses où on veut nous enlever le plaisir de conduire? Comment ça va se traduire pour Alpine, pour passer à travers, j'allais dire, ce contexte? Bon, je vais parler des deux choses, parce que je pense que tous les deux sont pertinents. Vous comprenez ma question? Les radars, absolument. Les radars,
C'est évident qu'aujourd'hui, dans plein Paris, c'est pas possible de rouler vite. Par contre, l'Alpine est conçue pas pour l'autoroute en Allemagne pour faire 300 à l'heure. Oui, la voiture serait très rapide, mais elle n'est pas conçue pour ça. Elle est conçue pour que les clients puissent s'amuser sur des petites routes de campagne, de montagne, etc., où on peut s'amuser sans avoir des problèmes de radar ou perdre le permis. Les vitesses légales. Et la conception de notre voiture le permet parce qu'on a le moteur central arrière, on a un poids très très bas, on a une distribution de poids avant-arrière très très bien équilibrée, et ça veut dire qu'à la fin, tu peux t'amuser sur route et bien sûr sur circuit à des vitesses limitées. Est-ce que ça veut dire que ça sera une voiture radicale ou elle vise quand même une certaine polyvalence d'usage pour aller... chercher son pain, quoi, comme on dit dans La voiture sera très capable d'être utilisée au quotidien parce que avec son poids qui sera très bas, ça apporte l'opportunité d'avoir une voiture qui est à la fois pointue en tenue de route et confortable. Et ça veut dire que aujourd'hui, on ne peut plus faire des voitures comme la berlinette d'origine de 650 kilos qui sont très petites. Ouais. Et franchement, les grands comme nous, on ne rentre pas bien là-dedans. Alors, la voiture qu'on a conçue actuellement, comme vous l'avez vu déjà sur notre showcar Alpine Vision, est suffisamment petite pour, et conçue pour être extrêmement agile, mais au même moment, des grands comme moi rentrent facilement là-dedans. La voiture est confortable et on peut l'utiliser tous les jours si on veut. Ce sera de loin la voiture avec le taux de CO2 le plus bas dans son segment. Alors, j'ai appris quelque chose ce matin que je ne savais pas. Vous visez à peu près 30% de femmes dans la clientèle d'Alpine. Est-ce que vous confirmez d'abord et comment vous avez identifié ça? Et qu'est-ce qu'attendent les femmes, on va dire? Est-ce que c'est les mêmes conductrices sportives que les hommes ou est-ce qu'elles attendent autre chose? Je ne peux pas vous confirmer un pourcentage, mais je vous confirme qu'on pense que la nouvelle voiture sera aussi pertinente pour les femmes que pour les hommes. Il y a des éléments qui sont très similaires. Il y a beaucoup de femmes qui aiment la conduite. Et franchement, ce n'est pas un territoire réservé aux hommes. Les femmes ne s'habillent pas de la même manière. L'entrée et la sortie de la voiture est très importante. Parce que franchement, il y a des voitures de sport où les femmes ne rentrent pas et ne sortent pas de manière très élégante. Et là, ce qu'on a conçu, c'est une voiture, malgré le fait qu'elle est très basse et très compacte, avec une facilité d'entrée et de sortir de la voiture qui est importante. Et c'est l'un des aspects qu'on a appris des femmes qui est importante. Aussi, le confort au quotidien est important pour les hommes comme pour les femmes, ou pour les femmes comme pour les hommes. Et là, on a bien mis ça dans la voiture. Alors moi, je pense que c'est tout à fait pertinent. Si on regarde sur le segment des voitures sportives, il y a beaucoup de femmes sur les segments des coupés de place. Et on va aller chercher. Et elles ne prennent pas la voiture du mari, hein, elle l'achète elle-même. Non, quoi. Voilà, exactement. Carlos Ghosn a dit « Alpine doit être lancée seulement si ça devient une marque rentable. » Et qui dit marque, dit gamme. Mm-hmm. Donc on sait, vous n'allez pas me dévoiler, mais on sait qu'il y aura une gamme Alpine. Est-ce que cet ADN d'agilité, de sportivité peut se retrouver sur toute une gamme, et notamment, vous ne vous parlez pas, mais sur un SUV, par exemple, un jour, comme la presse le laisse entendre, est-ce que c'est possible, ça, en théorie du moins? D'abord, je vais vous dire deux choses. D'abord, pour réussir, il faut qu'on réussisse avec la voiture qu'on a conçue. Parce qu'on l'a conçue pour vraiment interpréter l'ADN de la marque pour le futur. Il y a beaucoup plus de technologies qui rentrent là-dedans parce qu'aujourd'hui, on n'est plus en 1960, on est en 2016. Mais vous pouvez donner des éléments de technologie ou c'est secrètement quand vous dites qu'il y aura beaucoup de technologies en termes de matériaux, d'électronique. Je ne vais pas encore vous dire, ça va se dévoiler assez rapidement. Mais aussi, bien sûr, qu'il faut construire une voiture pour demain, pas pour hier. Bien sûr. Ça veut dire que même si on a repris les éléments de lightweight, d'agilité, de moteur arrière, de propulsion, etc., de la berlinette
de l'époque, on a conçu une voiture très très moderne avec des choix techniques très différents. Alors c'est tout à fait nécessaire qu'on réussisse avec cette voiture parce que franchement c'est cette voiture qui va incarner la marque pour l'avenir. Et franchement, si on ne réussit pas à ça, il n'y a pas de raison d'aller faire autre chose. Suite. Voilà. Alors pour les quelques années à venir, on va se concentrer 100% là-dessus et j'ai confiance que les clients vont dire que oui, ça c'est Alpine, ça va bien fonctionner. Bon, on va voir. Après, oui, on a d'autres idées de modèles de voitures alpines qu'on saurait faire. On n'a pas encore décidé et je peux pas partager les idées qu'on a, mais on a beaucoup plus d'idées qu'on a de ressources aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on se concentre avec notre petite équipe sur ce premier modèle. Oui, c'est 120 personnes, hein, vous l'avez dit. Bon, c'est ça, c'est 120. Hein. Bon, oui, à peu près. 120, Renault fait 120 000 personnes, Alpine c'est 120, 130 personnes. Ouais, c'est tout petit en termes de... Exactement. C'est très dédié. Oui, c'est très dédié. Et c'est des gens passionnés qui ont des compétences très pointues, mais il faut d'abord qu'on finisse cette voiture parce qu'on n'a pas trois équipes pour aller faire trois voitures au même moment. Voilà. Après, dépendant du succès de la voiture et des tendances sur le marché, on a toute une liste d'idées sur ce qu'on pourrait faire après. C'est pas décidé et ça va prendre un peu de temps. Par contre, si on va faire une Alpine, un deuxième modèle ou troisième modèle, ça sera toujours la voiture la plus agile sur son segment. Parce que l'agilité, le lightweight... C'est un benchmark. Il faut qu'on soit la plus agile, la plus légère. Voilà, c'est ça. C'est ça la raison d'être d'Alpine. Vaut pas la peine de diverger de ça. Il faut qu'on se maintienne sur ça. Et je pense que cet esprit se traduit sur plusieurs segments. Dernière question, cette philosophie alpine, est-ce qu'elle a la même résonance à l'international? Cette attente de voitures légères, vous qui avez une grande expérience à l'international, est-ce que c'est la même attente au Japon, en Europe, qui sont vos premiers pays, hein, est-ce que la lecture est la même? Et question subsidiaire, est-ce que le fait qu'elle soit française est un atout, une faiblesse ou c'est neutre? C'est une bonne question. Bon, pour démarrer au début, quand j'ai pris ce poste chez Alpine au début de l'année, s'il y a une chose où j'étais agréablement surpris de ce que je voyais, c'est la profondeur de la passion pour Alpine partout dans le monde. 30 ans après. C'est 30 ans après, au Japon. Mais c'est des vieillards. Non, pas du tout. Ça, c'est ça qui était intéressant parce qu'on anticipait bien sûr une certaine passion et fierté française en France. On sait, voilà, exactement. Même si je suis hollandais, mais peu importe. Bien sûr qu'on anticipait dans les marchés où Alpine était fort à l'époque, les Pays-Bas, la Suisse, l'Allemagne, etc., que ça résonnerait, et ça le fait. Mais ce qui m'a agréablement surpris, c'est qu'on a eu des retours très positifs de partout dans le monde. Le Mexique, le Japon, l'Australie, de partout. Et ce n'est pas des millions de gens, mais il y a une vraie passion autour d'Alpine partout dans le monde. C'est des petites poches. Et notre stratégie, c'est de ne pas essayer de conquérir le monde en parlant à 10 millions de personnes. Non, on prend la passion qui existe pour la marque déjà. C'est des anciens et des jeunes aussi. Et on se met sur la bonne interprétation de cette passion pour le futur. C'est ça qu'on fait. Là, on démarre sur 14 pays en Europe, plus le Japon. Ça suffit pour le moment. Puis en 2018, on va regarder quoi d'autre on pourrait faire. Mais je pense que c'est important qu'on se concentre sur une voiture qui est légitime dans le contexte de la marque, un nombre de marchés limité pour qu'on puisse bien gérer, et puis qu'on fait grandir la boule de neige des passionnés d'Alpine. Je sais que vous n'aimez pas trop parler de chiffres, mais en termes, je crois que vous avez dit une fois, ce marché des voitures sportives légères, c'est 300 000 unités dans le monde. Voilà, à peu près. Ouais. Et vous n'aimez pas dire des chiffres de vente, mais vous dites que ça sera quelques milliers de ventes la première année. Bon, ce que j'ai dit officiellement, c'est que c'est plus de 1000 et moins de 10 000. D'accord. On va voir. Ouais, ça laisse une large, plus de 1000 et moins de 10 000. Exactement. Ouais. Ça sera vendu par qui? Il y aura un réseau dédié ou ça sera chez tout Renault ou il y aura... Non, on va installer un réseau en Europe d'une soixantaine de concessions. Pour toute l'Europe, il y aura une vingtaine en France et on a créé des partenariats avec les meilleurs partenaires du groupe Renault, mais ces partenaires qui ont souvent aussi d'autres marques, dont les grandes marques de premium et de luxe,
sont en train de construire des showrooms dédiés Alpine. Alors, pour le client, il va rentrer dans un showroom Alpine, il parlera à un conseiller Alpine dédié qui connaît la marque, qui est aussi passionné que le client et que vous et moi, et qui saura garantir l'expérience qui va avec. Et les gens qui seront les conseillers d'Alpine seront spécialisés sur les événements. Ça n'a rien à voir avec Renault. C'est juste que parmi nos partenaires existants qu'on connaît très très bien, on a identifié ces soixantaines de partenaires qui connaissent déjà très bien ce segment, qui vendent d'autres marques, dont celui que vous mentionnez. Et ça veut dire qu'eux, ils savent déjà faire. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. Je sais que la date officielle n'est pas encore annoncée, mais c'est pour très bientôt, c'est début 2017. Hein. On va bien révéler la voiture dans les mois à venir, début 2017. J'ai hâte de l'avoir. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. À très bientôt. Merci.